prise de balle allée de Samuel Etoc. On va sur l'extérieur directement au milieu. Oh, oh là là, Eko'o Yohané, il a percé. Attention, il est arrêté à 10 mètres de la ligne maintenant. Aaron Smith qui ouvre. Il y a quelque chose sur l'extérieur avec Will Jordan. Jordan pour Boden Barrett. On est à 10 mètres de la ligne maintenant. Les Français doivent défendre. Quel intervalle pris par Eko'o Yohané. Attention, on laisse le ballon à Aaron Smith. On est venu taper sur son bras. Il n'y a rien du tout. Si, pénalité. Pénalité pour ce geste de Gabin Villière. Absolument, on est sous pression là. Avec ce premier ballon, premier remède, ce qui est rare, on s'est fait transpercer. Il a joué Aaron Smith, attention, Aaron il a joué. Smith, il a failli marquer. Et on n'était pas à 10 mètres, il y aura avantage. On n'est pas à 10 mètres, ça continue à jouer. Attention, on est à 1 mètre de la ligne maintenant. Le feu dans le camp français. Le ballon va ressortir sûrement côté Black. Dès le début du match, première minute de ce match avec Il ressort, attention à gauche. XXL, ça ouvre avec Munga. Munga, Boden Barrett, la passe au pied. Il va y avoir essai. Non, oh. Oui, essai de Black. Signé Marc Téléa sur cette passe au pied de Richie Munga. D'entrée, les Français dans les cordes. Oui, d'entrée, mais bon, on sent que les Blacks, ils ne sont pas venus courir, on le savait, mais ça, c'est propre, première touche propre, premier lancer. On se fait prendre au milieu, malheureusement, et derrière, ça rebondit. Et on a vu que par l'intermédiaire d'Aaron Smith, on fait du jeu. Il a tué rapidement la main, il a failli aller lui-même marquer l'essai, ça rebondit derrière. Et quelle passe au pied quand même de l'ouvreur, hein. De Munga. Les attaques sont tranchantes côté des Blacks. Ça vient dans les intervalles, on sent quand même qu'il y a des cannes partout, c'est assez impressionnant. On voit des Blacks de l'été. Ah ouais, ils sont pleins l'été du match d'avant les Sudaf. Hein. Ouais, effectivement. Plein de fraîcheur, c'est All Black, alors qu'ils sont toujours menés au score 9 à 8, alors qu'il reste 30 secondes à jouer. Allez, dans cette première minute. Attention, cette touche lointaine pour Grégory Aldrit. Directement, c'est bien joué ça, en position de premier centre, mais il faut sécuriser ce ballon et être propre sur le regroupement parce que les Blacks pourraient tout simplement nous chacailler un peu. Côté français, tu referais jouer un coup de plus là, il reste 10 secondes. Ouais, c'est ce qu'il demande Antoine Dupont, il t'a entendu. Il lui demande de jouer avec Moefana. Attention les soutiens, à bien rester debout. C'est pas mal joué parce qu'on va y arriver à la 40e. Et Antoine Dupont va donner dans l'axe à Mathieu Jalibert. Non, à Thomas Ramos, où c'était juste Thomas Ramos qui sort ce ballon. Et voilà, c'est la mi-temps. La France mène d'un petit point, 9 à 8. Mais la pression a quand même été noire sur cette première période. Ouais, les Néo-Zélandais ont fait une forte impression. Mais bon, la France mène d'un point, 9 à 8, grâce à trois pénalités de Ramos contre un essai de Téléa, une pénalité de Munga. Elle n'est pas droite, Jacob Paper, il a hésité. Le petit coup de pied par-dessus, attention, Will Jordan. Aïe, on est à l'heure, en face des 22 mètres, on essaye de faire un contre-rock. Les All Blacks sur l'extérieur avec Yohané. Attention pour Téléa, non, si, pour Téléa. Il va, allez. Oh non, essayez de placer. Il n'y a pas magnifique essai, le coup de pied par-dessus récupéré par Jordan. Et sur l'extérieur, la longue sautée pour Téléa qui s'offre à doubler et qui d'entrée tape dans la tête des Français qui avaient une occasion 2 minutes avant, qui ont raté cette occasion. Et par contre, sur le retour, les Blacks ont frappé fort. Mais non, mais il y a un truc que je comprends pas, pour revoir en team, je crois que les Français se sont arrêtés alors qu'il me semble pas qu'il y a l'avant hein, sur la passe. On va revoir ça. On va regarder Jacob Pagebeur, pour l'instant il bouge pas. Non, elle est derrière. Non, pas sûr. Pas sûr, hein, franchement. On regarde Jacob Paper, il bouge pas. Non, il l'accorde. Est-ce qu'il part Jacob Paper? Non. Je pense qu'il l'a accordé. Oui, il l'a accordé. Le doublé pour Marc Téléa, l'ailier des Oakland Blues qui avait déjà marqué à la deuxième minute et qui va tout simplement 2 minutes après la reprise de la deuxième mi-temps, il fait la même. Mais son pneu, parce qu'il y a un coup de pied qui est extraordinaire par-dessus la défense française qui se fait prendre. Derrière, c'est l'ailier. Qui Will Jordan. Le ballon, Will Jordan. Point de fixation et derrière Yohané qui allonge la passe, qui n'est pas dans les mains de Téléa mais qui récupère le ballon et qui va marquer tout seul sans opposition. C'est un coup de poignard comme en première mi-temps. Hein, exactement. La transformation de Richie Munga est importante puisque les Blacks sont maintenant devant et mènent tout simplement 13 à 9. C'est le moment de vérité, la touche, elle est contrée, on l'a récupéré quand même avec Moefana qui essaie de mettre de la vitesse à 5 mètres de la ligne maintenant, c'est maintenant les Blancs, c'est maintenant pour faire craquer ces Blacks, avec Thibaut Flamand, les percussions des Français, on se rapproche des poteaux, avec François Cross qui est soutenu par Tom Pifinois, peut-être un renversement, Jalibert, quelle action de Jalibert. Et le contrat pour Damien Penaud, magnifique, la voilà l'étincelle. Voilà le génie mangeur. Je te disais il y a quelques instants, Penaud, il
fait passer le frisson et Jalibert là, un magnifique bon bien joué. Ouais, cadrage, la situation, cadrage incroyable. Magnifique, et il donne le caviar. Le caviar à votre monde. Il avait déjà fait juste avant la pique de passe au pied. Donc Damien Prenon, elle est héritée, elle a failli marquer. Et là, quelle action, quel cadrage de bord. On a fait les choses propres, on a fait la touche, on l'a eu difficilement. On y avait été avec les gros, avec Cross, on a mis un coup, deux coups, renversement, tu l'as dit, après, cadrage des bords. Et Penaud, oui, mais... messieurs, Penaud, le serial marqueur, 30e essai en 45 sélections. Il va rattraper pour Damien Penaud, hein, ça continue. 30e, il rattrape Philippe Sella aujourd'hui. Il a Philippe Sella dans le viseur avec 32 essais, mais surtout, eh bien, il marque tout le temps 25 essais sur les 29 derniers matchs. Après, attention, on marque sur un exploit encore, hein. Mais on domine depuis 20 minutes. Ça va mieux. L'équipe de France va mieux avec la transformation pour permettre peut-être d'avoir 3 points d'avance. Allez. Au tableau d'affichage. Thomas Ramos complètement Thomas à droite Ramos. Qui s'élance. Ce ballon qui va passer. Ça passe. Oui. Arthur Vincent peut-être qui a récupéré ce ballon. Arthur Vincent très bien joué là, merci Mickey, petit coup de débat dessus, allez peut-être pour Melvin Jaminet, le coup de pied, le rebond, et oui, l'essai, ouais, c'est la gagne Jaminet avec le rebond sur ce coup de pied de Maxime Lucune. Voilà les Blacks qui vont perdre pour la première fois de leur histoire dans un match de poule de Coupe du Monde. Et quelle défaite pour les Blacks. 27-13. Allez, un point d'honneur peut-être à résister même si les Blacks... Voilà. Oh, le ballon a sauté. Et c'est fini. C'est fini. En avant des Blacks. Et c'est terminé. La France remporte ce premier match de Coupe du Monde. 27-13 face aux All Blacks. La Nouvelle-Zélande n'avait jamais perdu un match de poule. Et bien ce soir, c'est chose faite. La France lance sa Coupe du Monde.